D'ailleurs, oublie pas de me rétrocéder les provinces, hein. Oui, non, oui, je oui. garde. Ça fait une bonne base pour une future croisade. Putain, mais Jeanne de Valois a 19 ans, elle n'a toujours pas pondu cette salope. Ouais, ça fait mais... Bon, je suis en train de faire les deux derniers sièges. Hein. Ouais, j'envoie ma flotte pour t'aider. Je pense que les 10K, on va peut-être pouvoir le niquer sans baiser ces 10K là. Mais non, parce qu'une fois que j'aurai pris le pays, en fait, ça devient des rebelles. Donc je dois de toute façon les péter. Bon, bah, t'attends que je finisse les deux sièges et on va les péter tous ensemble, hein. Ok? C'est triste quand même un Autrichien qui vient des Ottomans pour conquérir la Carménie. On verra dans 200 ans si l'Hongrois va pas se faire attaquer. Non, je lui laisse. Bah, actuellement, l'Hongrois est en train de s'envahir, c'est moi. Non, c'est l'Hongrois envahi les Balkans. Pas, oui, mais pour l'instant, ça se bat plus en Hongrie qu'en Serbie, hein, c'est ça. Ils ont envahi les Balkans, mais ça se passe aussi bien que prévu. Ah, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? ça commence à aller en Serbie. Il y a une grosse baston là, il y a une grosse baston, qui c'est qui est en guerre avec tout le monde? Il y a une grosse baston, parce que tout le monde m'a demandé le droit de passage dans le Saint-Empire. Ah ouais, non, c'est les petits pays qui se font la guerre entre eux. Oh, ça va encore me casser les couilles ça. C'est la Suisse qui fait des siennes. D'ailleurs, Salzbourg il n'est pas libre. Ouais, c'est le Bavarois, il veut pas le rendre, alors il faudrait que je fasse une guerre. Mais bon. À ta place, je ne serais pas content de voir le Polonais pénétrer dans l'Empire. Le Polonais? Il a juste talk, là. Bah, tu perds des points quand même, hein, à cause de ça. De quoi? Ouais, mais je suis obligé. Hein. Il s'en fout, il est occupé à les récupérer en prenant Venise. Hein. Il y a des points impériaux, là, pour le moment, au début de game, ça... Ouais, ça se voit que t'as pas eu... 009, waouh. Non, quand tu... Ton seul héritier, c'est une femme. T'es en mode. Bon, ben. Ah ouais, c'est. Comment ça s'appelle? J'espère d'avoir assez de points perdus. La Pragmatic Sanction, et là, t'es en mode. Bon, ben, jamais l'Empire. Il suffit que je sois élu empereur, et puis comme ça, je fais entrer mes provinces dans l'Empire. Hein. Ah ouais, mais comment ça se passe pour entrer dans l'Empire en fait? Faut que je déplace ma capitale dans l'Empire? Non, tu peux pas. Faut que t'aies assez de relations avec l'Empereur selon ton développement. Si t'as plus de 200 de développement, t'as aucune chance de rentrer parce que tu passes au-dessus des 200 de relations nécessaires. Sauf si tu veux devenir empereur. C'est deux de relations par développement. Genre le teuton, c'est très cher de rentrer dans l'Empire. Ah, parce que tu payes du développement pour aller dans l'Empire? Non, non. Par selon ton développement, tu dois avoir autant de relations avec l'Empereur. Ah. Et si tu dois avoir 205 de relations avec l'Empereur, bah c'est mort. Parce que tu peux pas aller au-dessus de 200. T'es en vitesse 2, les sièges c'est long hein. Oh. Ah ouais. En vitesse 2, le jeu c'est long tout court. Ça se voit que n'avais jamais joué avec Scope, hein quoi. Tu sais, Et là tout le monde s'est dit que t'allais jusqu'en 1600 avec lui. Ça met en vitesse 2, aller jusqu'à 1500, c'est l'horreur. Ah non, on va aller en vitesse 1, regarde. Vas-y les gars, allez en vitesse 1. Ah non. Allez, c'est parti. J'étais en train de me dire si l'Ottoman qui est le défenseur de la foi catholique. Non. Quoi? Pardon? Mais moi j'étais pas au courant. Défenseur de la foi catholique. Actuellement, l'Ottoman il est plutôt devenu peuple de l'Autrichien. Bon. C'est ça. Compris. La zone d'influence autrichienne ne sera jamais aussi grande. Non mais là ça y est, l'Autrichien a une zone d'influence jusqu'en Inde. Ah, il me reste plus qu'un siège à faire. Ouais. Putain, t'es en train de piller en plus. Bah écoute, allez, fais de la thune, c'est pour te donner un peu plus d'argent par la suite en fait. Oui. Très bien, très bien. très bien. Putain, je me sens légèrement eu là. Hein. On va essayer. Bon. Oh non, accident de chat, c'est au... D'accord. Allez, j'ai presque fini le deuxième siège et puis après on y va. Bon ben un héritier encore plus mauvais quand même si c'était possible. Tout est possible. 0-0-0, ah non, 2-2-1, c'est ouais, vrai. Il va dégager. Hein. Enjoy. Il dégage. Mais t'as moins de prestige, mais tu auras du mal de t'hériter. Dégage, elle a réussi. Tout est possible. Ah mais tu avais déjà viré avec tes montres. Ah, oui. J'ai un accident de chasse. Ah d'accord. Attention à la frontière. J'avais dit, hein, mais bon. Karamani, il avait pas beaucoup d'argent hein, en poche, lui. Quand Dorma en avait après, plus. Non, mais t'inquiète pas, je t'en refilerai plus parce que là, il y a vraiment pas grand chose, quoi.
Putain, mais tous les pays dans le coin de l'Ottoman qui sont tous en mode je veux une alliance. S'il vous plaît, 5 euros, pas cher. Oh, donc gouvernement, ça j'achète. Bah là, moi je suis content hein, parce que c'est un peu la Pologne et l'Autriche qui ont fait les guerres à ma place. C'était beau. Franchement, je ne comprends pas la décision de l'Autrichien. Hein. C'est l'économie du MP, c'est une bonne décision. Pour toi, pas pour lui. Bah, ça c'est une autre discussion. L'économie de l'UMP, quoi. Je ne vois pas pourquoi c'est une mauvaise décision pour lui, il va avoir de l'argent. Et au final, il n'a pas perdu de MP vu que les 10K du Karamani sont encore non, là. C'est vrai, les sièges ne font pas de MP, j'avais oublié. Ouais, pas trop, ça va encore. Mais en plus, il gagne plein de MP. Là. Ouais, ça va. Début merci, game, Empire. Hein. C'est moi qui en gagne le plus. Ben, merci, l'Empire. Ma constitution, c'est pas que ça commence à me casser légèrement les couilles. En fait, moi je bloque tout le monde parce que j'empêche l'institution de se développer aussi. Oui. Je l'ai pas pris. Honte à toi. L'Autrichien. Ah ouais. Attends, non, ah. J'ai pris ou pas? Non, t'es. Ah, si, ouais, j'ai adopté, je suis con. Non, tu l'as pas adopté. Tu l'as pris? Non, ouais, j'ai adopté. D'accord. Mais tout le monde l'a. Ah, c'est là, pour attends. Ça que. Non, moi je l'ai pas. Non, tu l'as pas. Là. Moi, oh là là, ah non, je l'ai non. pas encore, je suis content. Bah vas-y, le Maroc il est plus avancé que moi, putain. Ah, la Castille niveau tech, sur les gardes de tech, elle est encore plus rouge que Faisan. Elle est sais. Rouge pétant, elle peut encore plus rouge que l'Angleterre, normal. Hein. Et encore plus rouge que Faisan. Ouais. Ne parlez pas de l'Angleterre en mal. Non, mais là, ta couleur c'est rouge, je disais que c'était rouge en. God bless the Queen. Pas encore tout de suite, hein. T'inquiète, c'est pour bientôt. Bon, ce dernier siège, ça me casse les couilles là, il veut pas tomber. Ouais, non, il veut pas tomber. Abandonne-le. À 42%, ça serait vraiment con. 43. Mmh, 43. Mais il sait pas lire un écran aussi. Bah, moi je vois 42, hein, les gars. Quand tu cliques dessus, c'est 43. Mais sinon, c'est 42. Ouais. Ouais. J'espère que c'est bon que tu manges ce que tu manges, hein. Bah, désolé, c'est mais. Ça. Bon. Ah, voilà, je vais prendre cette fois. Ah mais on est à 100. Oh c'est parfait. Puisque tout le monde mange, je mange aussi. Oh. Ah tu manges de la bite? Non je sais, non, mais c'est un morceau de chocolat, c'est bon. Pour les bouffer. J'ai allez viens. J'ai même pas besoin de les taper, c'est parfait. On pourrait mettre pause alors qu'on a invité les deux pour faire une putain d'offre de place. Ah ouais, putain, ah ouais, c'est bon. C'est trop de trucs là, bon. Vous ta gueule. Attends la fin de l'année. Félicitations les petites. Attends l'autre aussi, je vois rien. Bon bah je vais te passer du fric maintenant. Tu as l'Ottoman en début de game, mais un peu moins bien. Bravo, maintenant tu as deux vies de première fois. Allez, je suis gentil, je t'aide. Fais la bataille là, vas-y. T'as merci. Vu des généreux. Ah non. Non, mais ce qui me ferait, c'est qu'il aide son futur ennemi. Non, ça sera pas un ennemi, crois-moi. Et le voilà. Laron prix, genre la transfert, tu te fous voir, oui, c'était. L'Aragon qui fait, je peux avoir Quenza, non, ni ta mère. Non. Ah ouais, ces événements de pute là. Le Napolitain à la limite, mais pas l'Aragonais. Allez. Fais cadeau. Merci. C'est très apprécié. Oh, le trône bohémien est contesté. Oh, mais c'est un Jagellon dessus. Oui. Et si meurt, c'est Pologne-Hongrie. Oh, excellent. Je peux avoir une épée sur la Bohème. Ouais. Mais bon, après ça commence à devenir chaud avec l'empereur qui dit copain. UP sur la bohème, ouais, c'est clair, moi je suis pas trop chaud là. On peut être copain. Non, ça va, là... il a 21 ans, le mec il va pas crever sans héritier. Ouais. C'est là que bam. Ah, ma fille dans le chasse. Bam. C'est con ça. Il y a tellement d'escaliers dans un château. Ouf. C'est top se tirer une balle dans la tête, respectez-le. Bon, j'ai adopté la Renaissance, alors le polonais, tu une peux balle. Me dire merci. Hein. Merci. Tu l'as adopté pour combien? Pour tout le fric avec que je lui ai passé. C'est ça, avec l'argent des musulmans. Bon, moi c'est pas des musulmans, c'est des copes. Il se passe tellement de choses dans mon pays, c'est incroyable. Moi je vois bien pas de quoi vous parlez, il y a pas eu d'argent des musulmans. Hein. Le nazi. Oh non, il a pas pris. Putain t'as converti. 10 minutes, putain. T'as converti autant de provinces aux copes. Comment t'as fait? Bah c'est simple. J'ai pris les copes, il y a eu des rebelles. Et voilà. Et que les rebelles un rebelle religieux traverse une province qui la siège, la province transforme en religion de rebelles. Putain, ils sont beaucoup plus efficaces que des missionnaires. Hein. Engagez-les.
Il y a plein de mécaniques de U4 que je connais pas. Surtout avec les nouveaux devs. Attends, Ottoman, elle est à AKI. Ah bon. Putain, mais le lituanien qui convertit rien, quoi. Bon, le napolitain, c'est bon, tu peux te bouger le cul sur ce que je t'ai demandé. Je vais avoir tous les orthodoxes sur le dos. Pendant un moment, j'ai cru que la Hongrie se faisait envahir par la Pologne. Genre à Zagreb, la Serbie, ça ressemble tellement au drapeau de la Pologne. Ouais. Parce que lui, il a deux têtes, c'est un monstre. C'est un monstre, c'est pas un vrai oiseau. C'est pas un vrai pays. Moi, je retrouve petit à petit un vrai pays. Ah, la Bosnie ? Ah, ouais ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis bloqué au 20 21 janvier. On est le 21 avril, ouais. C'est con. C'est con. Docteur Scope qui donne toujours pas de signe de vie. Non. T'es vraiment le 21 janvier là ? Généralement quand ça fait ça on peut relancer hein. Ouais, vas-y, relance bon, et ben, appelle Docteur Scope. Hein. Je sauvegarde. Bon, moi, je vais chercher un truc à manger vite fait, le temps de recharger. Ah merde. F4, hein. Tu peux rejoindre la coalition et la déclenche, comme ça j'ai plus besoin. Comme ça, ah ouais, comme s'il allait le faire, tu sais. Tu veux que je fasse le mec, attends, il va avoir le Bourguignon, la Bretagne, la Lorraine, la Provence et Liège avec lui. Tu crois vraiment qu'il va essayer de faire la White Peace? Tu veux que je fasse ça? Ouais. Oh, mais Lübeck, il vous a abusé, Lübeck. Hein. Rien, vraiment, pour Lunebourg, Magdebourg, Oldenbourg. Par contre, l'Ottoman, ça te dérangerait de relâcher la Crimée, s'il te plaît? Pourquoi? Je sais pas, c'est peut-être chez moi, non? Non, c'est pas moi. Chez toi, non. Très bien. T'es avec chez les 11 000 c'est vrai. T'inquiète, Fleur, quand on sera en contact, des tensions naîtront entre Castille et Ottoman. Écoute, coup, moi, je vois une chose. Le Polonais m'a aidé, le Moscov pas. Donc ça sera le Polonais, la Crimée. J'ai pas eu l'occasion, désolé. Il y a même pas question de ça. C'est que le seul qui ait une frontière commune avec la Crimée, c'est moi. C'est pas l'Ottoman ni le Moscov. La guerre, là, comment te dire? Quoi? Y'a pas les mecs qui ont gun en fait. Tu sais, notamment si je te déclare la guerre, t'es allié au Polonais. Mais c'est parce que t'as pas le. Ah ouais, c'est mon. Je suis allié au Polonais, alors ferme ta gueule. Ouais, mais il est en tech 4. Oh. Non! Et moi je suis un peu en tech 6. Alors, moi j'attends de voir s'il fait la White Peace. Hein. Attention, t'es armé. Attention. J'honore mon alliance en espérant la White Peace. Hein. Ah. Oh non, j'ai fait une basse sable. Ah, je peux intervenir dans le conflit ouais. Angleterre-France. Il y a des GP de tous les côtés. Oh, n'empêche, la puissance de l'Alliance France-Castille. Ouf. Ouf. Dur. Bah, c'est pour ça que c'est cheaté. Merci. Oh, j'ai gagné 15 points de faveur, j'ai rien foutu. Sympa. Moscou et l'institution avant Vienne, c'est dingue. Il y a l'institution à Moscou. Il a du dev à crever à Moscou. Hein. Tu pars de 20 dev donc c'est facile. Non, même pas, de 17. Ah, ça commence à arriver chez moi. T'as dev combien de fois? 16 fois! Putain! Ah, mec, même avec un moins 10% de tech, ça me coûtait 666. Ce stack comme par hasard le chiffre de Satan, putain. Moscou, tu mérites de brûler. Mais si, que je te bute. Pourquoi c'est le français qui dit pas ça? Oula, c'était pas terrible ce que j'ai dit. Et après, Yazan s'est intégré. Ah, oh là, non, oh non, faut que je mette d'un rival. Oh. Ouais, dispute étrangère avec la Bretagne, lol. Le polonais, tu m'excuseras, hein, mais je suis obligé. Ah. Oh. Et putain, j'ai les nobles qui me détestent. Putain, mais ma succession... Normal, je vais débarquer à Biscaye, ahaha. Putain, ma succession, j'ai pas envie de passer en deux valois. Hein. T'es pas obligé de rire, ça fait peur tous les gamins. Alors... Putain, la famille Jagiellon... Hein. La famille Jagiellon et la famille Wittelsbach, l'étendue du truc. Mais écoute, j'ai risque de passer en deux valois, donc... Ça. Bon, allez,
T'as 21 ans, moi j'ai aussi 21 ans. Ouais, mais ce serait bien de Mais qui va mourir en premier? C'est la course à la mort, c'est ça? Pourquoi vous baisez pas ensemble, genre Jeanne avec Enrique? C'est ça, unification des deux trônes. Oh, ce serait bien. Moi, bah, pas, pour l'un des jeux, pas pour l'un des deux joueurs. Ouais. Non mais okay, c'est les deux joueurs. Mais Enrique, il a 21 ans, il va avoir un héritier. Enrique. Ah, Jeanne 21 ans n'a pas d'héritier non plus. Bien donc. Ce sera que dans 20 ans l'anglais qu'on pourra s'allier. Alexa. Et mine de rien. Putain, le français. Membre de la maison Lancaster montera sur le trône. Alors t'as la Castille qui devient valoise, mais t'as la France qui devient Lancaster. Ouais, mais ça c'est parce que je deviendrai le défenseur. Est-ce que l'Angleterre devient Trastamara. C'est ça. Par contre, j'ai un bon général là. C'est voir. Ça, je peux se dire que deux rivaux, soit Castille, soit France. Le choix est dur. Moi aussi, j'ai un bon général, hein, donc en tout cas. Mais ils sont nuls. Ils s'en foutent, lève la main. Mais ils sont les. Ouais, il y a un vachement débile. Hein. Je peux pas avoir un conseiller puissant du missionnaire, s'il vous plaît. Non, ça serait trop facile, ça. Mais j'ai encore une province à convertir pour faire cette putain de mission. J'ai pas l'event des morts, je pense qu'il l'a pris mais qu'il a refusé. Alors voyons voir. Oh, je suis pas un ex à Norvège, je crée plus de prince que moi. Oh non. Putain, il vous fait dans le serge. Je sais, mais tu sais qu'il manque une province, hein, genre ils ont 16 provinces, j'en ai 15. Mais t'as qu'à aller. Genre Lübeck. Lübeck ils ont trop d'alliés, donc je vais attaquer Hambourg, ils ont moins d'alliés. Parce que Lübeck, regarde, c'est comme ça. L'empereur, tolérerais-tu cela? L'empereur ne va pas tolérer si. Oh, ça va, c'est Hambourg. Lol, l'empereur. C'est la cité libre. C'est une invasion de l'Hongrie par la. Ah oui, mais c'est l'empereur. Ça coûte de l'argent. Pourquoi t'enverrais pas l'ordre? Je pense même pas que ça serait l'empereur qui va le plus gueuler, c'est plus l'anglais. Ouais, non, mais surtout que s'il fait ça, genre. Ça appelle l'Autrichien, mais ça appelle tous les alliés de l'Autrichien. C'est ça qui est intéressant. Ah oui, c'est ça qui est con. Pourquoi tu vas pas attaquer Riga, genre? Comme ça, toi, tu pourras bouffer Lübeck. Y'a pas la porte. Ouais, mais la Moscovie elle va gueuler si j'attaque. Attaque là. Ouais, attends, t'attaques en bourg, y'a moi et l'Autrichien qui gueule. Tu préfères qui? La Moscovite ou l'Autriche? Non, mais Ouais, mais je crois que j'ai une plus grande frontière avec lui, j'ai des claims, c'est très facile à faire. J'attaque lors de l'Ivoirie, c'est pas compliqué. Ouais, voilà. Avec la Moscovie, merde. Je suis pas d'accord. C'est le mec qui fout la merde encore plus. Bon, bah je vais coincer le Danemark, vous faites pas chier. Hein. Le Danemark? Ah oui. Non, le Groenland. Le riche Groenland. Allez, l'Anglais, tu as un nouveau rival colonial, bien joué. Construire un grand palais. J'ai jamais eu cet événement. Putain, faites pas chier, je vais prendre les îles Féroé et puis voilà. Les îles Féroé? Non, les Shetland, je vais prendre les Shetland et l'Écosse, puis voilà. Ah bah non, c'est Vassal, putain merde. L'Écosse. L'Écosse, le mec il est bloqué, il a pas vu. À part la Micronésie, je veux prendre quoi dans ce monde? Rien. Putain, après il y a l'Empire, mais faut casser les couilles. Hein. Bah, faut porter tes couilles un peu. Il y a la Frise orientale. La Frise orientale, tu peux l'attaquer, elle est pas dans l'Empire. Oh, c'est gentil ça. Allez, ouais. Commence à taper dans la manche. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de prétendants au trône de Pologne côté joueur. Il y a 55 milliards d'avant de trucs. Oh non, quoique. Hambourg, Poméranie, Utrecht et Brême, ça va. Attention, ah, mais du coup, je peux pas faire de claim. Ah, bah si, je peux. Putain. Demande-lui d'aller dans l'Empire. Donc, là, il m'en manque une. Oh, mon héritier, il pue la merde en diplo, putain. Oh, ah, aussi 0-1, ça va. Ouais, bah en admin, j'ai bien rattrapé mon chat. Ouais, mais 1 et 0. Ouais, 1 et 0, ça pue. Moi, il est doct, donc ça va. Vas-y, passe-le-moi. Par contre, c'est un 3-2-2, donc. Ah, il est stérile, par contre. Je le veux bien quand même. Stérile. Ah, il est pété. Je m'en fous. J'ai déjà un mec. Putain, il est déjà. Oh, il a déjà un mec. Comment il l'a dit? Comment il l'a dit? J'ai déjà un mec. Vous savez, moi et mon mec, on s'encule tous les soirs. Ah, ah bon? Ça, il était fini à pisse, ça se voit qu'il est gay, mon roi. 0-2-1.
Ça se voit qu'il est gay. Hein. Il aime pas la violence. Je veux pas le déshériter. Je veux pas... On arrête de parler de ce qui se passe en Tchétchénie, merci beaucoup. Quoi? Chez moi, ça. Mais non, en Tchétchénie, y a pas de gay, alors on va pas en parler. Y a personne en Tchétchénie, ils sont tous morts. Y a un mec qui va avoir des problèmes avec Ibra TV. Y a un mec qui va avoir des problèmes avec le Moscou. Le Moscou. Et d'un coup, ça fait moins peur. Hein. Sinon, il est. Ah, ben voilà, hop. J'ai jamais su ce que c'était, Ibra TV. Enfin, j'ai jamais regardé, je veux dire. Donc, il sait ce que c'est, hein. Tu perds ta vie, hein. Hein? Moi je dis, il faut faire une croisade contre l'Ottoman qui va détruire cette belle Serbie. Moi je dis, j'ai crash, allez salut. Il va surtout récupérer son peuple. J'ai craché. L'espagnol. T'as craché par terre? Mais oh mais non. Ouais, c'est pas vrai ça. Le puits s'est fermé sans demander mon avis, ça te va? Alt F4, mais bon, faut pas le dire. T'as un beau codeur. Non, tu t'appelles Serge, c'est différent. Oh. Arrêtez de faire des blagues avec le Saint-Empire romain germanique là, les gars. Non, ta gueule. Oh, c'est violent. Oh, c'est violent. Oh, ta gueule. Il venait du cœur celui-là. Je l'ai entendu jusque dans mes vertèbres. Putain. Allez, les gens, on va passer en vitesse 1. Ouais, je sais pas avoir moins 13 de prestige. Ah non, c'est bon. Non, non, on n'est pas en vitesse 1. Qu'est-ce que tu racontes? Non, je sais pas, je n'y avais pas démarré. Tu dis encore de la merde, hein. Moi, moi, j'ai un pays viable, tu vois. Bah j'ai pas besoin d'être maintenant, assisté. J'ai un pays viable. Avant, c'était peut-être vous voulez rigoler, les gars? Est-ce que vous rigolez? J'ai crash. Non, vous êtes pas sérieux. Non. T'es sérieux? Je vous jure, j'ai crash, je vous jure. Putain. Va te pendre. Ah oui, bah, hier. On a pas besoin d'anglais, hein, lol, MDR. Putain, mais faudrait faire des trucs où toutes les heures, ça rayosse, et voilà, point, on va voir ce bon. Parce que maintenant, on n'est pas prêt de lancer. Hein. Quelle fin poète. Oh. Mais putain, qui a déjà mis sur pause là? Bah, je voulais lancer. Il y avait trop de trucs, c'est dingue. C'est l'admin qui lance, hein, techniquement, mais bon. Voilà. Mais bah, je lance quand je veux. Le mec, il a cru qu'il pouvait lancer sans moi. Je vais attendre un an avant d'ouvrir ma carte commerciale. Attends un an avant d'ouvrir ta gueule. Ah, c'est trop tentant. Ah. Qui a dit ça? Fais ça, tu reviens plus. Qui a dit je ferme ma gueule? Moi. Ah, vous gueule. Bah dit un marchand. Oh, j'ai dit attends un an à vous d'ouvrir ta gueule. C'est toi qui dis ça là? Tu pédé va. On dirait le roi du Danemark. Bah vous inquiétez pas, il est juste pressé parce que je l'ai battu sur COH. Oh. Mais moi j'espère la vidéo, ça va être un peu. Ouais, j'espère que tu vas le montrer les ressources que j'avais. Tu vois. Ouais, je vais surtout montrer que t'étais en limite de pop et que c'est pour ça que tu l'as pas dépensé ton argent. Putain, mais. T'inquiète, moi aussi, je suis une brêle à. Attends, je pense qu'il a toujours pas compris que j'ai laissé gagner. Des excuses. Tout hein. De suite, les excuses. Ne cherche pas d'excuses, bon, okay, ça marchera pas. Ok, ok. Non, mais dommage, j'avais pas mon point de vue. Je sais pas qui a dit c'est des excuses, je sais pas quoi. Mais j'espère que sa maman va mourir du choléra de la bite. Comme ça, au moins, se dit tout. C'est possible ça, les mamans avec des bites? Si c'est ah, ça qui te choque, ouais, c'est ma catégorie porno préférée. Quoi, tu c'est que t'as quoi? C'est ta cacotte. Oh putain, les gars. Le choléra de la bite. Ça, c'est pas mal quand même. Une maladie très répandue pourtant. Une maladie très répandue en Éthiopie. Toujours les Africains ont des problèmes au sexe. Bah, étant donné que c'est sa maman, moi je dirais plutôt à Thaïlande. Bon. C'est pas drôle ça. C'est vrai que qui ça allait ça. Si tu franchement reste en train de jouer l'automne, arrête de faire des blagues. Bon. Ah, ça, même vachement nul, c'est compliqué pour lui donc. C'est quand même il est quand même vachement nul. Hein, là. Ah, t'arrives pas à jouer l'automne quand même. Mais tu fermes ta gueule. Non mais y a pas tort. Hein. t'as même pas encore fait du Galir, t'as pas encore niqué du Mamelouk. Non mais c'est normal, j'ai encore une trêve avec lui. Mec, t'as pas vu, mais c'est manger une croisade. Oui, ah tu bon, l'as pas vu ça, hein. J'avais déjà tous ces territoires il y a quelques années. Croisade, il avait des expansions incroyables jusqu'en Angleterre. Putain, mais le joueur qui avait le Moscov à un moment, il a tellement fait de la merde, mais c'est incroyable. C'est l'IA. On est d'accord, mon Moscov, il oui, est oui, mais bon, l'IA, il est chiant. L'IA, il est chiant. Bah, ouais, il faut pas. Moscov peut dire pareil, hein. De quoi? Bah, l'IA, elle est chiante. Ouais. Mais après, bon, moi, c'est de ma faute. Oh.
Bah, tu vois, lui il a joué en tech. Moi, j'ai 1000 hommes en plus que le français. Dingue. Ouais, Le concours de ouais mais au niveau tech, je pense qu'il te défonce. Ouais, non, mais après, moi, c'est pour me faire.